Bonsoir, comment vous allez? Comme vous avez fait 2 jours, vous m'avez pas vu là, vous me cherchez partout. Kobo, j'espère que tu vas bien. Kobo, tes directs nous manquent. Me voilà, donnez mes cœurs alors maintenant. Vous pouvez savoir le nombre de messages inbox que j'ai reçus. Ceux qui m'ont pas écrit, vous allez maintenant culpabiliser que ouais, j'aurais dû lui écrire. Et si elle savait, je lui envoie le message. Bonsoir. Vous me connaissez que je suis toujours dans mes batailles, non? Et toujours mes combats là, que quand je suis comme Jackie Chan. Je fais les one shot. Donc ce soir, je vais vous parler de se réinventer. Écoutez-moi quelques minutes et vous allez comprendre. Pour ceux qui m'écoutent constamment, vous n'allez peut-être pas croire, mais vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous métamorphoser. Hé, Raoul, tu étais malade. Comme tu m'as vu là, tu es guéri, non? Reçois ta guérison. Bonsoir, bonsoir Muriel, bonsoir Aziz, bonsoir. Yvette, bonsoir. J'ai annoncé dans le groupe que je vais faire le direct dans 10 minutes. Donc les retardataires qui attendent dans 15 minutes pour me chercher là, vous allez manquer bien même. Vous allez zapper. Vous ne le savez peut-être pas. Je t'en prie, Hervé. Vous êtes en train de vous métamorphoser. Quand vous m'écoutez là, hein, de la même façon que je suis en train de monter, mon image monte, votre image monte, vous vous montez. Donc, je vais vous dire ça. On conjugue le verbe monter en tout cas. Je monte, tu montes, il monte, elle monte, nous montons ensemble, vous montez pendant que nous montons tous. Après, il monte. Voilà, ok, on a conjugué le verbe. Bonsoir, univers. Charles, si tu n'as pas le moyen de me contacter, comment contacte-moi par la télépathie. Hein? Contacte-moi dans ton esprit. Bonsoir, la reine Nicole. Restez long time, comment? Tu ne connais pas là où j'étais. Amen, Zinedine. Je vous parle aujourd'hui de l'importance de se réinventer. Et j'ai commencé à vous dire que si vous m'écoutez depuis, ça veut dire que sans le savoir, parce que tu peux avoir l'argent, hein. Tu ne manques pas, donc tu peux te lever demain, tu dis que tu pars à Shanghai, tu peux te lever, tu dis que tu achètes l'immeuble là, tu peux te lever demain, tu dis voilà, ton compte bancaire a minimum 100 000 dollars. Minimum 100 000 dollars dans ton compte. Mais tout le monde écrit cela, mais écrivez mais MAIS. Hervé, je suis béni, amen. Je vais voir le premier écrit mais. J'ai bien ça, alors, tu es attentif. Mais voilà. Tu es toujours petit dans ta tête. Les gens viennent toujours te bafouer. Toi, ta cousine qui te traitait mal quand vous étiez petit là, non? Elle vient et te manque de respect à la réunion, hein, alors que tu as la grosse Cayenne là-bas dehors.
Tu vois le père de ton premier enfant là, tu es sorti avec lui, ça fait 19 ans. L'enfant aujourd'hui a 15 ans ou 17 ans. Oui, le gars là, il te manque, il te parle encore mal. Tu as réussi financièrement. Mais il y a un manque de respect là qu'on a encore envers toi. Et toi-même, tu acceptes. Donc, tu n'as pas encore totalement accepté qui tu es. Parfois, quand tu t'imagines un peu, tu vois, tu imagines le genre d'homme qui peut venir dans ta vie, avec qui tu peux être, le genre de femme avec qui tu peux être. Tu ne te visualises pas loin. Et tu vois l'enfant de ton... Le père de ton premier enfant là, il n'a rien, hein. Tu vois, tu t'appelles tout par ton prénom. Germaine. Je dis, mais tu es fou. Il y a toujours cette partie de toi qui doute de toi. Il y a toujours cette partie qui accepte n'importe quoi. Parfois, on voit les choses que tu acceptes. On dit que, yeah, la femme, c'est... Qu'est-ce qui t'arrive? On t'a envoûté, on t'a ensorcelé. Parfois, c'est quand tu rentres à la maison que tu dis que j'aurais dû répondre comme ça. Que si la femme-là m'attaquait, elle allait lui dire comme ça. Parce que quand tu étais devant elle, tu n'avais pas le courage de parler. Vous riez. Tu arrives comme ça, là, tu as 30 personnes, 40 personnes dans ton entreprise. Que chaque mois, tu leur donnes le salaire. Donc, tu as 50 familles là-dehors qui mangent sur ta tête. Un petit tintamarre que tu as connu quand tu avais 19 ans. Il vient. Il dit, Muriel, Muriel, pourquoi l'enfant n'a pas les cahiers pour aller à l'école? Ah, tu dis, wonderful. C'est moi que tu appelles comme ça. Toujours parce qu'on a couché ensemble, ça fait en 2003. Oui, 2003, vous avez couché ensemble, ça a donné l'enfant. Donc voilà qu'il te manque de respect aujourd'hui. Parfois, on se demande même que qu'est-ce qui t'arrive? Hey, tu lis le Tintamarre, Alexis, Tintamarre. Va chercher dans le dictionnaire. Un Tintamarre, c'est un Lascar. C'est un Zanzibar. Excusez-moi, il y a les gens de Zanzibar ici, là. Excusez-moi, je m'excuse. Et ces personnes sont comme des tests que tu vas passer encore. Julie, bonsoir. Clarisse, bonsoir. Tu vas passer ton test jusqu'à ce que tu valides l'UV là. Tant que tu ne valides pas l'UV, tu arrives devant le tentama, il veut un peu parler que tu le mets à sa place comme piaque. Direct. Certains d'entre vous, les pères de vos enfants ont eu l'argent avant vous. Ils vous ont simplifié. Ils vous ont manqué de respect. Bien même. Oui.
juste parce que vous avez l'enfant là. Et quand il te manquait de respect, il savait que tu n'allais jamais avancer. Te voilà que tu t'es concentré. Tu t'es réinventé. Parce que tant que tu restes à côté de ces personnes, l'image que tu as de toi va toujours être zéro. Nul. Blandine, tu riais. L'image, donc dès que tu vas rester à côté de lui, dès que tu... Ah, attends, partez même à l'anniversaire de l'enfant ensemble. Organise l'anniversaire, comme c'est votre fils là, tu l'invites, il vient. Dès qu'il arrive, tu te sens bizarre. Quand on était ensemble, il avait souvent l'habitude de t'insulter, de te rabaisser. Dit que tu es grosse. Regarde, tu ne peux pas faire le régime. Dès que tu le vois, ton corps fait que ça fuit seulement comme ça là. Tous tes régimes que tu t'es tapé, toutes tes trucs, les nouvelles personnes que tu as dans ta vie maintenant te connaissent. Tu es différente, tu te maquilles maintenant tout le temps. Quand tu étais avec lui, tu ne te maquillais pas. Parce que tu étais l'ombre de toi-même. Oui. Parfois, même quelques jours avant l'anniversaire, le tintamarre vient, il te stresse. Comme à l'époque là. Il te stresse tellement que tu oublies même de te maquiller le jour de l'anniversaire de l'enfant. On arrive, on dit, maman, c'est comment? Que yé, ce n'est pas toi qu'on connaît ici. Parce que le tintamarre est venu entrer dans ton cerveau. Il y a cela 2 jours avant l'anniversaire de l'enfant. Tu te rappelles comment quand tu t'avais vu, parfois tu devenais folle. Tu marchais en route, tu parlais seul. On te demandait que c'est quoi? Maintenant qu'il est parti, tu t'es réinventé. Tu t'es réinventé. Écrivez ici là. Je me suis réinventé. Et ces personnes se sentaient bien quand elles vous traitaient mal. Tu as dû aller reprendre dans la poubelle là où on avait jeté qui tu es. Tu as ramassé, tu as essuyé, tu as nettoyé. Comme on avait jeté ton étiquette là, tu as pris, tu as lavé, tu as mis dans la machine à laver. Après, tu as pris, tu as mis ton badge sur toi. Oui, Bridget. Je me suis réinventée. Et cette fois, c'est moi qui ai choisi le rôle que je vais avoir. C'est moi qui ai choisi l'argent que je vais gagner. C'est moi qui ai choisi la somme qu'il y a dans mon compte bancaire. C'est moi qui ai choisi le pays où j'habite. C'est moi qui ai choisi le boulot même que je fais. Oui, Bridget, il te respecte. Au départ, je suis celui qui croyait que c'était la blague. Ah, pardon. Bridget, pardon, fais vite, tu repars encore là-bas. Il dit, hey, Bridget ne bouge pas. Non, non, elle va perdre l'argent là. Je la connais. Dans 2 ans, elle n'aura plus rien. Ça fait 10 ans, Bridget a toujours l'argent. Ça fait 10 ans, Bridget est toujours avec son même business là qui a même avancé. Il dit, hey, c'est sérieux, hein? Hey, bonsoir, Elisabeth. Augustine, bonsoir. Il dit, hey. Bridget l'avance. Bon, maintenant, il faut qu'on l'attaque. Il faut qu'on. Il te lance un petit mot. Ces gens-là ne doivent même pas voir vos statuts. Quand tu as voyagé, tu es parti à Tiki. Tu étais à Dubaï. Tu m'as regardé quoi? Combien de fois, quand tu étais avec lui, tu lui as demandé de partir à Dubaï pour faire les achats, il a refusé. Pour lancer ton business. Là, bonsoir. Quand je vous parle de vous réinventer, ce n'est pas la blague. Tout ce qu'on t'avait fait croire que tu ne pouvais pas, te voilà aujourd'hui que tu es en train de faire, non?
Le meilleur cadeau que le Tintamarre t'avait fait, hein, c'était de partir. Le meilleur cadeau que le Tintamarre là t'avait fait, c'était de t'abandonner en t'insultant. Que qui va ajouter, quel homme va un jour te prendre? Tu es trop dur. Tu es trop rigoureuse. Tu crois que quelle femme va venir dans la maison-ci? Hein? Regarde un homme comme toi. Et t'as accepté comme tu es là. Tu crois que qui va encore t'accepter? Te voilà. Le meilleur cadeau. Écrivez là-bas que meilleur cadeau. The best gift. Meilleur. Le meilleur cadeau, c'est que tu tombes sur les messages de la femme avec qui tu te trompais. Le meilleur cadeau, c'est que tu trouves les habits de la femme ou son sous-vêtement dans la maison quand tu es rentré. Vous connaissez Shakira, non? Elle a trouvé qu'on a mangé sa confiture. Voilà comment elle a découvert que son mari l'a trompée. C'était ça ton meilleur cadeau. Mouah. Prenez vos cœurs. Mouah. Le meilleur cadeau, c'est que le patron là te renvoie. C'est que ton patron te dise, voilà, Augustine, nous sommes désolés, on va vous laisser partir. Oui. Tu as pleuré une semaine, non? Tu t'es relevé, non? Tu as créé ton entreprise, non? Aujourd'hui, tu as combien? Tu as 7 employés. Certaines personnes ne méritent pas votre énergie. Et pour te réinventer, tu as besoin d'un environnement. Oui, Seth, bonsoir. Tu as besoin d'un environnement. Parce que ce qui va te rattraper, qui va t'aider encore plus, ce sera ta vision. Et ta vision doit être portée pas seulement par toi, mais par des gens qui croient en toi, puisque le Tintamarre ne croyait en toi. La preuve, quand le Tintamarre était dans ta vie, tu travaillais seulement 3-4 heures par jour. Depuis que le Tintamarre est parti, tu dors quasiment au bureau. Depuis que le Tintamarre est parti, tes ventes ont triplé. Tu fais plus de commandes. Ton énergie se mérite. Pas n'importe qui va venir s'asseoir à côté de toi. C'est pas n'importe qui va avoir le droit à ton attention. Je vais même dire l'autre jour en direct que c'est pas n'importe qui a le droit que tu lui fasses un message. Que bonjour. C'est un honneur. Que la reine Christelle me fait un message et me dit bonsoir. C'est un honneur. So if I give you the gift of my presence, don't dismiss it. Si je te fais cadeau de ma présence, ne gâte pas le cadeau que je te fais. Certains d'entre vous, vous devez lancer vos directs. Vous allez guérir pendant vos séances de directs. Tu vas parler aux gens, ça va te guérir. Tu vas faire des thérapies en direct, ça va te guérir. Oui. Quand vous mettez votre entourage, vous devez avoir des vidéos clés. Des personnes que tu ne peux pas rester une journée sans écouter la vidéo de la personne. Parce que tu es en train de t'entraîner. Tu es sur un champ.
Tu es sur un champ d'attaque. Chaque jour, je dois attaquer les pensées dans ma tête. Je dois attaquer. Et comment connaître que tu t'éloignes de tes pensées là? Tu commences à être confuse, découragée, embrouillée. Tu doutes de toi. Tu dis que tu vas faire quelque chose, tu ne fais plus. Tu tournes toute la journée. Oh, tu montes, tu descends, tu cours, tu files pour rien. Oui, Elsa. Tu as bien parlé, Elsa. Que je te fais le cadeau de ma présence. Quand c'est comme ça, ils vont devenir fous. C'est comme ça que tu connais que tu es en train de t'embrouiller, que tu n'es pas sur le bon chemin. D'un autre côté, quand tu es dans ton environnement, dans ton élément, quand tu es entré sur la bonne direction, tu es sur ce que tu as choisi pour te réinventer, ça te met l'énergie, ça te bombarde. Tu te lèves le matin à 4 heures, tu es debout, tu veux, ouais, je dois prier, je finis de prier, je dois lire mon livre, je finis, je dois aller faire ceci, je finis, je dois, tu as l'énergie. Tu as. Voilà l'un des premiers signes, la vigueur. Tu vois comment tu étais lourde sur le lit comme ça là, non? Tu regardes les novellas. J'ai réellement sommeil. Donc je baillais vrai, vrai. Je fais, Deuxième novella, tu fais. Ça finit. Troisième novella. Te voilà. Diamant. Tu crois, tu fais. Tu as bien écrit ça. Voilà tes indicateurs. Quand tu es en train de te réinventer, la personne que tu réinventes ne peut jamais être basse. La personne là est toujours en haut. It's your higher person. It's your higher self. It's your better self. C'est ta meilleure version. C'est ta personne plus haute. C'est ta personne qui est dans une vibration plus haute. C'est la personne qui peut changer les choses. C'est la personne qui peut bouger ta vie. C'est la personne qui peut ouvrir tes portes. C'est la personne qui peut ton Karabaka Oh, Karababa Chantara. Donc quand tu penses à elle comme ça, là, tu vas seulement sauter du lit. Yes. Vous pensez que la femme là, ça se trouve n'importe où? Et cette personne est contagieuse. Cette femme est contagieuse. La femme que tu réinventes là. C'est pour ça que cette femme sera toujours plus riche. Parce que l'argent, elle attire l'argent. Elle est contagieuse parce que cette personne que tu réinventes, les gens veulent venir vers toi là. Qu'est-ce que tu fais? J'aime venir vers toi. Ouais, je veux te parler. Donne-moi l'argent. Je veux acheter tes produits. Donne-moi l'argent. Ouais, je viens te voir quand. Donne-moi l'argent. Quand tu te réinventes, ma chérie, tu crées la meilleure version de toi, plus chère, avec plus de valeur, avec plus d'intelligence, avec plus de confiance en soi, avec le charisme. On dit, mais la fille, c'est là, après ça, c'est pas la petite fille là-bas. Non, 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 it is not me. It is not me, oh. That is my higher sister. I am the lower sister. Oui, ça c'est la sœur haute. Moi, je suis la sœur basse. La sœur basse qui est moins que rien là, qui croit que elle mérite le tintamarre. La sœur haute, tintamarre, hein? Tintamarre, écrivez un peu tintamarre, je vais voir votre patois. Et je vais voir. Excusez-moi, je crois que je suis un peu folle ce soir. Écrivez Tintamabawa. On va voir. Je vais voir le meilleur commentaire. Je vais mettre ta bénédiction ici, là. J'entends les commentaires. Hé, mamie So. On va gagner. Jesus! Tintamabawa. Karine, t'as pas la donnée. Lo, Tintamabawa.
Reine Christelle, t'as pas l'air. Non, t'as pas, ça c'est pas le badjoun, là-bas. Écris le badjoun. Lors, vous allez tous parler le badjoun. Même les Ivoiriens là, vous allez parler le badjoun. Oui. Voilà. Oh non, franchement, vous avez fait ma soirée. Je vais rire comme un papa venir. Quand vous avez dit Tentama, voilà, ça veut dire que Tentama, c'est qui? C'est qui dans ma vie? Je connais pas de Tentama, moi. Ta meilleure version ne connaît pas tes faux trucs là que tu faisais, tu montais sur la moto de temps en temps. Non, non, non. Ta meilleure version reste comme ça, dit. Je ne mérite pas ça. Non. Ta meilleure version est capable de se lever en plein milieu d'un dîner au restaurant. Et tu sais quoi? Ce que tu me racontes là, je ne veux plus. C'est bon. C'est bon. Christelle, tu as bien écrit que t'es autant se. Vois seulement les commentaires des autres, tu écris non. Il y a des gens qui trichent. Tu dis, j'ai assez supporté, mais je ne veux plus. Je mérite mieux. Il y a cela 6 ans, quand tu faisais ça, je me sentais privilégié. Je courais derrière toi. Non, on ne me drague plus avec l'acropole quand même. Les croissants d'Acropole, toi aussi. Non, 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 non. J'ai changé. Non, non. Se réinventer. Va demander des tests. Tu seras testé. Parce qu'on ne t'upgrade pas tant que tu ne passes pas le test. On ne te prend pas dans la case inférieure pour t'envoyer à la case supérieure. Tant que tu ne passes pas le test. Et le test sera d'abord dans la réflexion. Tu dois réfléchir et t'entourer des personnes qui réfléchissent comme la personne qui est au prochain niveau. Et si tu es toujours là comme le bébé, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Vous me suivez? Comme si ma connexion bug. Allô? Voilà, je pense que c'est revenu. Se réinventer demande que tu réfléchisses comme la personne qui est sur le niveau où tu vas arriver. C'est un peu comme si tu voulais faire le CEP au cours moins 1. Tu vas devoir aller traîner quelques semaines avec les gens du cours moins 2. Tu vas devoir aller composer des CEP blancs, tout ça là avec eux. Tu vas devoir voir comment ils étudient. Parce que tu veux te réinventer et devenir la personne qui va composer le CEP au cours moins 1, sans attendre de monter d'une année encore. Donc tu vas réinventer dans ton mental d'abord. Tu vas réinventer dans tes actions. Et c'est ce qui va donner à la fin l'obtention ou pas du tout de ce diplôme que tu cherches.
Et ça demande de la persévérance. Parce qu'au départ, toi-même, tu crois que peut-être tu exagères. Que non, non, moi, je suis menteuse. Ce n'est pas moi. Regarde, comment tu peux me dire que c'est moi? C'est là maintenant que quand tu avais les gens qui croyaient en toi, ces personnes vont te rappeler. Ça, c'est le travail des coachs maintenant. C'est le travail des guides spirituels. Il y a des personnes qui suffisent que la personne parle avec toi. 30 secondes. Tu étais en train de faire une bêtise, tu étais sur la femme de quelqu'un, tu descends. Ton truc descend, ça se tait. Tu peux pas te ranger. Oui. Bug beaucoup. Les commentaires bug, j'arrive pas à vous lire. Essayez un peu de tapoter. Ok, là je vois au moins que vous suivez, c'est bon. À ce nouveau niveau où tu vas arriver, tu as besoin de personnes qui vont toujours parler dans toi. Yvette, est-ce que tu connais qui tu es? Yvette, est-ce que tu connais ta valeur? Mais Yvette, allez, allez, sors de la moi là, arrête de te dénigrer, Yvette. Yvette, est-ce que tu connais quand t'es rencontré la première fois? Est-ce que tu sais comment les gens t'appréciaient dans mon service? Yvette dit, ah, c'est vrai, tu sais. Mais tu sais, les femmes comme moi, avec déjà 5 enfants, on ne peut pas trouver le boulot dans ce genre de truc. Parce que. Mais Yvette, est-ce que tu connais? Tu t'es déjà vu, tu as vu ta silhouette? Comment tu dis que tu ne peux pas être, je sais pas, peut-être supposons hôtesse de l'air. Et c'est ça qui va permettre à Yvette de se réveiller, de revenir reprendre l'image qu'elle avait laissée et de continuer à la façonner jusqu'à ce que Yvette devienne un avec l'image qu'elle a vue. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous ce soir. Hein. J'avais à partager avec vous. C'est assez lourd pour ceux qui vont écouter et comprendre. Pour ceux qui ne comprendront pas, je vous bénis quand même. Ok? Passez une bonne soirée.